Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. Vous allez me dire, ouais, encore un haul. Oui, j'exagère. Mais comme je vous l'ai dit lors du précédent haul, je suis en plein déménagement, donc j'avais besoin de deux, trois petites bricoles à action. Et forcément, bah, quand vous rentrez, vous passez dans le rayon loisirs créatifs et il y a deux, trois petites choses qui m'ont fait de l'œil, notamment quelques nouveautés. Donc, je vais vous les montrer rapidement parce que je pense que vous les avez vues dans des hauls précédents. J'espère que la caméra va pas tomber. Ça fait plusieurs fois que je recommence parce qu'elle a décidé de tomber. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, on y va. Donc, on commence par les petites encres, donc couleur gris noir, 0,99 centimes. Dans les tons roses, violet, vous n'allez pas très bien voir parce qu'il y a du soleil. Le soleil est revenu après plusieurs jours de pluie. Je vous montre le derrière quand même pour vous rendre compte. Hop, donc. Voilà, dans les tons violet avec du bleu, dans les tons vert, dans les tons, alors là il y a un peu de tout, du jaune, du orange, du jaune, oui du jaune c'est sûr, du vert, c'est rose et violet. Voilà, pour finir les couleurs, donc jaune, ocre, orange, voilà, donc hein, c'est des couleurs métalliques, hein. Après, il y a des vidéos, j'ai vu. Je ferai les essais, moi, lors de mes prochaines créas. J'espère très bientôt, parce que tout est encore en carton. Donc, autant vous dire que j'ai hâte de tout essayer. Après, le rayon était plein, donc j'ai repris des demi-perles comme ça, bleu et vert. Bleu et verte, oui, 0,59. Et vous voyez, il faut faire vachement gaffe au prix. Arrivé en caisse, du coup, bah, je paye. Hein. Je regarde mon ticket, ils étaient passés à 0,74 centimes. Je les avais bien vus à 0,59. Donc là, je dis, ah, là, il y a un problème. Tout de suite, ils vous appellent X personnes. Comme si vous, enfin comme si vous montez quoi. Alors, me dit bah, peut-être que le produit était au mauvais endroit. Oui, c'est-à-dire que tout le produit était au mauvais endroit parce qu'il y en avait pas mal. Et sa collègue est revenue en disant non, non, ils sont bien à 0,59 centimes. Donc comme quoi il faut faire très attention de temps. Enfin voilà. Il faut faire attention au prix. Bon, après, c'est pas non plus hyper cher, quoi, mais c'est toujours ça, quoi. Après, bah du coup, vous les avez sûrement vus aussi lors des vidéos haul action. Les nouveaux pochoirs. Donc là, on est sur un peu du feuillage. Je vous montre ce qu'il y a derrière. Voilà. Après, on a celui-là. Donc les petites bannières, les petites bulles. Hop. Là, on a un peu les formes arabesques. Ouais, les rosaces. Bah là, on a pareil, on a des formes. Hop. Et après, donc, on a l'alphabet, les chiffres. Hop. Et ensuite, du coup, les animaux. Voilà. Là, pour des cartes de Noël, comme ça, faire un fond. J'ai des idées. Ça donne des idées. Hein. Je vais mettre ça là pour pas que ça tombe. Après, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça. Les petits bouts de. Enfin, les petits bouts, les petits morceaux de tissu, les petits carrés. Alors, il y en a 140. Enfin, j'en ai jamais pris. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs, du rouge, du bleu, du noir. Moi, j'en ai pris qu'un, enfin qu'un bloc, ouais, pour essayer, je voudrais faire des fleurs en tissu. Donc voilà, j'en ai pris qu'un, je me suis dit après je vais essayer si ça me plaît pas. C'est difficile de faire de la couture avec des petits morceaux comme ça. Après, vous dites-moi comment vous en servez. Voilà.
Quoi vous montrer d'autre? Ah si, il y a ça. Alors, il y avait pas mal de... Enfin, le rayon était pas mal rempli, notamment au niveau des crayons. Et du coup, moi, j'ai pris ce lot-là, notamment pour le crayon blanc. Parce que je vois que enfin, la mine est très, très fine. Enfin, j'en ai un crayon blanc. Mais vous savez, quand on fait des cartes ou des albums sur un fond noir, bah des fois, une fois ça m'est arrivé de vouloir marquer fait main, et puis bah, mon crayon avec la mine un peu plus épaisse, ça vous fait un truc pas terrible, terrible. Donc, du coup, j'en cherchais un, je m'étais dit je vais regarder dans les rayons bah, stylo en grande surface, mais à chaque fois c'est toujours des pointes un peu plus grosses, et là franchement elle est fine, donc du coup j'ai pris uniquement ce pack-là. Après, il y avait d'autres packs hein, dans les tons bleus, dans les tons verts. Ouais, c'est des marqueurs de craie. Hein, voilà. Donc, pour écrire sur du noir. Et voyez, ces pointes extra fines. Donc, voilà, c'est vraiment le blanc. Après, enfin, j'ai hésité, je me suis dit, bah, comme on peut écrire sur du noir. Comme on peut écrire sur du noir, bah même écrire quand la carte il y a un peu de bleu, pourquoi pas écrire en bleu derrière, ou enfin il y a des fois, vous savez, des petites lettres, des choses comme ça. Donc je vais déjà tester si ça marche bien et qu'il y en a d'autres une autre fois. Enfin. Oui, d'autres une prochaine fois, pourquoi pas prendre un autre lot. Je vais déjà, voilà, je vais déjà tester. Donc, voilà. Et ça, c'était. Je crois que c'était 84 centimes. Enfin, ça, en tous les cas, c'était moins d'un euro. Oui, les angles, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est 99 centimes. Les demi-perles, donc je vous ai raconté l'histoire, c'est 0,59. Et les pochoirs, on est sur 0,64 centimes. Ensuite, à côté des perles, il y avait ces petites boîtes de rangement. Donc, bah, pour y mettre des perles, elles font 13,5 sur 13,5. Moi, je ne vais pas m'en servir pour ranger les perles, mais tout ce qui est matériel pour checker cartes, hein, les checkers. C'est-à-dire les sequins, voilà, les sequins, enfin tout ce qui me sert pour faire mes cartes. Hein. Il y en avait eu chez Action, celles qui en ont, ou celles qui ont régulièrement, vont savoir de quoi je parle, elles étaient rondes. Et puis pareil, ça s'ouvrait, il y avait plusieurs. Ce qui était pas mal, c'est que ça s'ouvrait. Chaque compartiment s'ouvrait individuellement. Là, oui, là, j'ai regardé. En fait, ça ouvre toute la boîte. Il y en a quatre. Hein. Et bah, malheureusement, enfin, j'en ai un sur les deux qui est tombé. Et bah, ça m'a cassé. Forcément, c'est du plastique. Ça m'a cassé. Un gros morceau, on va dire. Donc du coup, bah oui, les sequins par terre. Donc je me suis amusée à les ramasser. Mais bon, voilà, la boîte, du coup, elle est plus terrible. Donc je m'étais dit, il faudra que je la change. Et quand je trouverai des petites boîtes à compartiments, j'en prendrai. Donc là, c'était 1,59. Donc je me suis dit, prends-les. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. Donc prends-les. Après, j'aurais préféré, oui, avoir des rondes. Comme ils avaient fait à un moment donné. Après, dites-moi vous comment vous rangez justement le matériel pour faire bah, les sequins, ce que vous mettez à l'intérieur des checker cartes. Voilà. Et pour finir, il y avait du coup, il y avait des tampons en bois, je vais y arriver. 0,59 centimes. Alors, il y avait plusieurs modèles, j'en ai pris que 3. J'ai pris le petit ciseau pour mettre. Derrière des cartes. Vous voyez, sur une carte, hop, on tamponne et on marque avec le tampon. Moi, j'ai des tampons marqués fait main, création, voilà, création fait main, faites main. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Après, ce petit tampon en voie, bah, notamment
sur les enveloppes. Et puis celui-là, pareil, sur les enveloppes. Donc, voilà pour ce qui est de Action. Donc, on a fait le tour et je vais vous montrer. Je me suis arrêtée en même temps à Lidl. Donc, si vous avez un Lidl à côté de chez vous, ça pourra toujours vous servir. Alors, pourtant, je reçois les publicités, mais dans les publicités, je ne les ai pas vues. C'est ces gros blocs, enfin, gros, grands blocs de feuilles. Donc du cardstock. Alors, c'était avec le matériel de rentrée scolaire. Donc, je pense que c'est ce qui sert de canson. Donc, il y a 25 feuilles. Oui, c'est ça, 25 feuilles. Et on est sur du 270 grammes. Et c'est des feuilles qui font 24 x 34. Vous voyez, il y a plusieurs vraiment couleurs. Ils sont vraiment très 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 cartonnés, je vais y arriver. Donc, je me suis dit, les bases de cartes, voilà. Oui, peu au niveau du prix de 49. Ouais, c'était ça, c'était à peine 2,50. Donc, bah, j'en ai pris. Ça sert toujours, même pour des découpes. Donc, si vous avez un Lidl à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller et faire le plein. Et puis, du coup, il y en avait un autre. Donc là, on est plutôt sur du 100. 35 grammes, là il y a 50 feuilles, on est exactement sur les mêmes couleurs, sauf que bah, forcément le papier est un peu plus fin, quoi. Donc là, bon, peut-être pas des bases de cartes, mais pour des découpes, voilà. Donc franchement, au niveau du prix, ça vaut le coup. C'est pareil, c'était le même prix de 49. Donc j'en ai pris, enfin j'ai pris... une sorte de chaque, parce que enfin, des fois ils en font régulièrement avec des articles comme ça de loisirs créatifs. Là, je les avais pas vus dans le catalogue. Je me suis arrêtée comme ça. Je n'y allais pas exprès. Donc, bah, écoutez, voilà. J'ai fini de tout vous présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire bah, vous, notamment comment vous vous servez de ces petits blocs de tissu, ces petits carrés de tissu. Après, j'ai pas trouvé les blocs de Noël. Le monsieur m'a dit que ça allait arriver. Donc, je croise les doigts. J'espère bientôt pour pouvoir commencer les petites cartes et les albums de Noël. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!